Outil de coordination dans le management, l'organisation régulière des réunions favorise la communication et la synchronisation des actions au sein de l'entreprise. Malheureusement, dans les entreprises dites africaines, très peu de réunions sont utiles, encore moins efficaces. Le constat, c'est que les réunions sont à durée indéterminée, ne sont pas bien préparées. Ce sont aussi des moments de règlement de compte. Les réunions sont des moments où le leader ou l'animateur veut démontrer que voilà, c'est lui qui a le pouvoir. Dans la plupart des institutions, qu'elles soient privées ou publiques, les responsables nommés n'ont généralement aucune formation en management. Ils sont donc nombreux, les managers qui rendent la participation aux réunions ennuyeuses. Ce qui m'énerve, c'est d'avoir quelqu'un qui parle, qui ne s'arrête pas de parler. C'est à la limite frustrant parce que si on invite des personnes pour participer, il est important de laisser les autres parler, de les écouter. Organiser une réunion en entreprise ne devrait donc pas se faire sur un coup de tête. La préparation, l'animation et le suivi d'une réunion requièrent certaines aptitudes. Il faut déjà, pour chaque thème, pour chaque élément de l'ordre du jour, donner un timing. C'est très important. Ça permet d'aller droit au but. Parce que vous allez à une réunion où vous participez, elle est dynamique. Vous ne voyez pas le temps passer. Un individu qui parle pendant 2 heures, mon Dieu, c'est pas évident. Lorsqu'il s'agit d'une réunion d'échange ou d'une réunion de prise de décision, communiquer l'ordre du jour aux participants est un préalable capital. Cette formule que l'ordre du jour sera communiqué séance tenante, elle n'est pas une très bonne formule parce que ça amène à l'impréparation. Du coup, on a les collaborateurs qui partent à une réunion sans connaître le bien fondé et découvrent sur place dans le jeu, alors que s'ils avaient eu les éléments avant, ils auraient fait des recherches, ils seraient venus outiller afin de contribuer. N'oublions pas, le P important de toute réunion qui veut réussir, c'est la participation. À l'heure où la modernisation du leadership s'impose aux managers africains du fait de la mondialisation, il est impératif que chaque chef d'entreprise veille à la mise à jour de son système de gestion à travers des formations ponctuelles de renforcement de capacités.